Jésus-Christ, quelle merveille, quel sacrifié, gloire à le nom de Jésus, gloire à le nom de Jésus, gloire à le nom de Jésus, quelle merveille, mon roi, quelle merveille, mon roi. Éternel Dieu Tout-Puissant, papa, éternel, pour cette journée de jeûne, papa. Tout l'esprit qui essaie de murmurer, papa, dans cette maison, Seigneur. Je veux la marquer, tu, Seigneur, de cette terre que tu m'as donné, Seigneur. Papa, j'ai 20 jours à faire, Seigneur, 40 jours. Oh, éternel Dieu, il y en a dans cette maison, Seigneur. Je m'en occupe pas si les jours viennent cet après-midi. Je viens devant toi, Seigneur, pour toute cette journée de jeûne, Seigneur. Montre le chemin de vérité, Seigneur. Montre le chemin de murmure. Montre la souffrance, Seigneur. Tout ce qu'on quitte, Seigneur, montre la souffrance. C'est pour ça que je viens devant toi, papa, pour cette journée. Simplement témoigner, Seigneur, pour ton amour. C'est par ta bénédiction, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur, qu'on est encore là. C'est par ta bénédiction, Seigneur, dans cette maison. Chaque jour qu'on te se lève, Seigneur, qu'on lui marche sur les pieds. Papa, il y en a certains qui sont déjà morts, c'est sûr que c'est en train de prêcher ta parole. J'ai en train de prier, Seigneur, il y en a qui sont déjà partis. Et pourtant, tu nous as accordé une journée, Seigneur. Une journée, Seigneur, qu'on est là. On est le 21, Seigneur, juin, Seigneur. Tu nous as donné une journée, Seigneur, pour te remercier, Seigneur. Pour témoigner pour ton amour, Seigneur. Comment on ne peut pas te dire témoigner, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Cet sacrifice, Seigneur. Oh, papa, on ne peut rien faire sans ton amour, Seigneur. Je te dis merci. Éternel Dieu, sois béni. Oh, mes frères et ma sœur, simplement, attention à vos enfants, là. Il y en a certains parmi vos enfants. Il y a l'angle d'hypocrite, mes frères. Je vous le dis en face. Et ça sert, mon frère et ma sœur. Il faut dire les choses. Parce que tout ce que les murmures, tout ça, mon frère et ma sœur, simplement, ça ne concerne pas dans la parole de Dieu. Parce que les angles essaient de vous diviser. Parmi vos enfants, il y en a quelque part. Ils veulent vous diviser, mes frères et ma sœur. Simplement, je suis devant vous pour vous montrer la vérité. Et la vérité. Parce que les mensonges devant Dieu, ça n'existe pas. Dieu, c'est un Dieu de chemin de vérité. Tout ce que tu caches dans la vie, le Seigneur, il monte à la surface. Tout ce que tu veux murmurer, le Seigneur, il monte. Parce que le murmure, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre des diables, mon frère et ma sœur. Le murmure, c'est l'œuvre des diables. Le diable, c'est qui? Qu'il infiltre au milieu de vos enfants. Il infiltre au milieu de tout ce que vous faites, mes frères et ma sœur. Donc, c'est pour ça cet après-midi, ma sœur, mon frère et ma sœur. C'est la suite des principes que je vous apprécie. Parce que, parlez-vous, mon frère. Tant que vous avez quelque chose à faire dans votre vie, faites-le indiscrètement. Ne confessez pas devant vos enfants, mes frères et ma sœur. Vous savez pourquoi, pasteur, pourquoi vous dites ça? Mon frère et ma sœur, parce que c'est le prof moi-même. C'est pour ça. Tout ce que vous faites, faire attention, mon frère et ma sœur. Toujours vos enfants, ils essaient de diviser, mon frère et ma sœur. Sauf, il faut savoir, Dieu vous donne l'autorité pour sur vos enfants. Ne laissez pas vos enfants que vous manipulez. Parce que les manipulations, c'est l'œuvre du diable. Mon frère et ma sœur, pasteur, pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est la vérité, mon frère et ma sœur. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Ce n'est pas un Dieu de mensonge. Je vous ai déjà expliqué. Vous êtes nombreux qui m'ont téléphoné déjà, mon frère et ma sœur. Donc, la suite, mon père, mon frère, vendredi, simplement, je vous allais dire comme je vous allais montrer que Dieu, c'est Dieu d'amour. Et ça, c'est la suite, le Dieu d'amour. Dieu, ce n'est pas un Dieu de division, mon frère et ma sœur. C'est un Dieu de rassemblement. Mon frère et ma sœur, mon témoignage aujourd'hui, c'est simplement, je viens devant vous pour qu'enseigner qu'est-ce que c'est la division, mon frère et ma sœur. La division, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. La division, c'est l'œuvre des diables, mon frère, ma sœur. Vous pouvez trouver dans la Bible, mon frère. C'est l'œuvre des diables, la division, mon frère. Cet après-midi, généralement, cet après-midi, mes frères et sœurs, je suis devant vous pour vous montrer vraiment la vérité et le chemin. Parce que Dieu, il a envoyé cet enfant unique, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Pour qui, mon frère et ma sœur? Parce que Dieu, qui nous aime, nous rassemble dans un seul peuple. Mon frère et ma sœur, ça signifie quoi? Parce que Dieu, tu peux être blanc, tu peux être jeune, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Dieu, il nous aime un seul peuple. Simplement, tu ne veux pas que Dieu te juge, mon frère et ma sœur. Il ne faut pas enfoncer ton frère. Tu n'as pas de favori. Le Seigneur nous a pas de favoritisme à défendre. Il faut accepter ton frère comme si tu veux que Dieu t'accepte, mon frère. Ça, c'est la suite que je vous allais prêcher, mon frère. Je parle vendredi, je vous parle l'esprit, l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour, comme je vous l'ai dit? Il faut aimer ton prochain. Je vous ai déjà expliqué ça vendredi, mes frères. Aujourd'hui, je saoule. Les témoignages, les divisions. Les divisions, c'est parmi vos voisins, c'est parmi vos frères. C'est surtout, c'est toujours que ça se passe dans votre propre maison. Ça se passe quelque part dans votre famille, mon frère et ma sœur. Ou c'est pas votre cousin, ou c'est pas votre sœur, ou toujours, il y en a qui veut diviser, ou c'est pas vos enfants. Sauf, mon frère et ma sœur, ne laissez pas que les choses couvrent loin. Simplement, montre-le. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Comme tu as massé la tête, tu la tête du diable,
t'a massé dessus, il t'a donné l'autorité pour châtier le serpent, le scorpion, mon frère. Donc, ne laissez pas vos enfants diviser. Comme moi-même, mon frère et ma soeur, avant que je vous enseigne, moi-même, il y en a ce qui veut diviser dans ma propre maison. Sauf, je ne laisse pas mon frère et ma soeur. Parce que Jésus qui m'a donné cette autorité pour gérer les choses. Qui est le chef de la maison? C'est votre mari. Tant que votre mari n'est pas là, c'est vous le chef de la maison, mon frère et ma soeur. C'est vous qu'il faut savoir qui est vos enfants. Vous ne laissez pas faire, mon frère et ma soeur. Parce que même Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Sur terre, tout le monde a l'obligation de suivre la loi de Dieu. Il y a les 10 commandements, mon frère et ma soeur. Les aujourd'hui, je ne vous parle pas des divisions, mon frère. Les divisions, c'est quoi? Laissez toujours parler vos enfants qui veulent diviser dans les couples. Toujours qui veulent diviser à 6 années par votre couple. Mon frère et ma soeur, j'ai l'expérience, sauf moi. Je vois les choses avant qu'elles arrivent. C'est ça que le Seigneur m'a donné, ce don. Je vois les choses avant qu'elles arrivent. Vous, les gens qui le voient, quoi, tant que mes frères et ma soeur, étudiez bien vos enfants. Regardez bien comment ils font les choses, mon frère et ma soeur. Parce que moi, avant que les choses arrivent, je les sais déjà, mon frère et ma soeur. Parce que Dieu m'a donné ce don. L'homme, tant qu'il ne voit pas mon frère et ma soeur, il ne croit pas. Je l'ai prévenu plusieurs fois dans ma propre maison, mon frère et ma soeur. Les miracles, ils commencent à arriver, Seigneur. Comment c'est arrivé, mes frères et soeurs? Parce que Dieu, il vient bénir cette maison. Ce n'est pas une maison de désordre, mon frère et ma soeur. C'est une maison de l'ordre. Cette même maison de pasteur contre vous, mes frères et soeurs, c'est une maison de l'ordre. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu, mon frère et ma soeur, que j'ai eu ici. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu, j'ai eu tout ce que je veux dans ma vie. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Je suis béni aujourd'hui, mon frère. Tant avant que les choses, que les divisions, mon frère et ma soeur, c'est déjà arrivé, mon frère. Moi, je les sais déjà. Sauf, je les mets les choses avant qu'ils pointent. Avant qu'on te dise que le. Pardonnez-moi ma façon de parler. Avant qu'on mette le couteau sur la gorge. Moi, les choses, c'est déjà arrivé. Sauf, je ne laisse pas faire. Dieu m'a donné l'autorité et l'ordre. Donc, dans ma propre maison, il faut avoir l'ordre. Donc, mon frère et ma soeur, je suis devant vous simplement. Expliquer l'esprit de division. L'esprit de division, c'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de divisé, c'est l'esprit de mal, mon frère et ma soeur. C'est l'esprit de mal. Parce que tous vos enfants utilisent par le diable. Ou des fois, c'est votre femme, ou des fois, c'est votre mari, ma soeur. Le diable utilise tant que vous êtes chrétien. Comme je vous ai déjà enseigné plusieurs fois, mon frère et ma soeur. Et être chrétien, ce n'est pas toujours drôle. C'est difficile d'être chrétien. Chaque jour, il faut dire pardon, Seigneur. Chaque jour, il faut accepter. Parce qu'être chrétien, c'est difficile. Que les gens dans le monde, ils ne croient pas. Tant qu'ils ne voient pas. Et toi, tu es un chrétien, mon frère. Simplement, Dieu, il est devant toi. Dieu, ça fait longtemps qu'il est déjà arrivé, mon frère. Dieu, il est dans ta maison. L'Esprit de Dieu, il est dans ta maison. Le Seigneur n'est jamais parti quelque part, mon frère. Il est au milieu de toi. Sauf l'esprit de malin, il est quelque part aussi dans votre propre maison, mon frère et ma soeur. C'est comme ça. Aujourd'hui, je parle l'esprit de malin. L'esprit de malin, c'est quelqu'un qui veut diviser. Toujours qui fait entraîner l'autre. Même ça ne suffit pas. Soyez bénis. Je vais t'adorer, papa. Je t'ai béni ton Saint-Nom. Je vais te louer. Je t'aime tellement. Oh Jésus, mon sauveur. Je vais te louer.